Salle de contrôle et morgue du département. On va aller à la morgue. J'aime la morgue. Ah bah déjà pour les tourelles, je suis censé être un typhoon, un Morgan Typhoon You. Mais je pense que je vais débloquer plus de compétences typhoon, voir si mon statut change. Vous avez tellement de pouvoir typhoon et de sang typhoon que vous en êtes un. Voilà, et il vous attaque plus. Ça serait drôle, ça, il vous attaque plus. Vous avez fait le cauchemar, votre nouvel ami. Votre best friend. Votre BFF. Ah merde. Attends, où est-ce qu'on va là? Ah, c'est là. Okay. On n'avait pas fait ça. Devait escorter. Bon, on s'en fout. Équipage. Donc, qui reste en vie? Enfin, non. Qui c'est qu'on n'a pas trouvé? Max. On se casse. Bonjour. Scan en cours et neuroradio montrent que vos capacités mentales sont en dessous du seuil maximum. Salut, sauf Greg. Ceci devrait vous aider. Cela énorme. Devrait vous aider à vous concentrer. Prey est super. Qu'est-ce que tu viens de me faire, toi? Scan en cours. Prey est vraiment bien. Oh merde. Ah! Calibrage en cours. Il était pas mort. Scan en cours. Il était pas mort, le coquin. Est-ce que je suis sur la bonne voie? On va peut-être se soigner à un moment. Oh! Genre maintenant. Genre maintenant, ça a l'air pas mal de se soigner en fait. Comment on va le tuer? Pour Typho, il ne faut aucune compétence humaine. Waf waf de retour. J'ai pas des leurres. Y a pas l'heure. Non, si. On a le. Eh hey, mec. Ow. J'avais oublié ça. Oh là là. Oh là là.
c'était difficile. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y a un robot qui soigne au-dessus. Chop, 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 hop, hop. Spider-Man, yes. Il est où? Robot. Il est peut-être pas là. Non, c'est pas là. Peut-être qu'il a été détruit. Ah tiens. Ça s'ouvre 6 sur 6. Mimic. Oh là, mimic, beaucoup mimic. Il y en a un qui a sauté, non? Succès déverrouillé, massacre de mimics. Oh cool. Ah, pourquoi je fais ça? Viens ici! Je voudrais bien savoir où sont passés. Les robots que j'avais. J'avais créé, j'avais fait venir. Elle est où l'infirmerie? Elle est là. Attends, il y a du trans. Attends, est-ce que je peux. Je vais tester un truc, ça va être con, mais. Ah, il y a une vitre. Ah, on peut pas. Okay. Au vu de ce que l'on sait des capacités ou de l'absence de capacité du Typhoon, il semble plus prudent de revoir les éléments du projet Cobalt. Igwe, les neuromodes peuvent déjà adapter des matériaux de Typhoon à l'esprit humain. Il n'y a aucune raison pour que l'inverse ne fonctionne pas aussi. Mettons qu'on parvienne à insérer des neurones humains dans un Typhoon. Comment saura-t-on qu'on a réussi? Les nouvelles structures neuronales auraient besoin de se développer par le biais d'une série d'expériences concrètes. Ou simulées. Quoi? Une série d'expériences simulées. Calvino, il a... Ok, très bien, écoutez. C'est fascinant, mais concentrons-nous sur les choses dont nous savons qu'elles marchent. Je refuse que quelqu'un gaspille des ressources là-dedans. En termes de difficulté, le jeu bon, il est pas très dur. Je pense qu'il faut jouer en difficulté la plus élevée, comme ça on a un peu peur au début. Vu qu'on n'a pas trop de pouvoir. Mais bon, quand on arrive à un certain niveau, on est quand même très très OP, on va dire. Enfin, pas OP, enfin c'est pas OP, genre on utilise le jeu, on exploite rien du tout. C'est juste que, ouais, on a juste beaucoup d'options. Ouais, comme Amalia dit aussi, c'est un peu comme Dishonored. Il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est un peu comme un Deus Ex aussi. Il y a énormément de façons d'arriver à un point, donc au final, on peut jouer tout en sneaky, on peut jouer tout en grosse brute, il y a tellement de choses à faire. Donc c'est ça qui rend, dans un sens, un peu facile. C'est parce qu'il y a tellement d'options. Comment on rentre dedans? Comment on rentre là? Ça va, Mimic?
C'est pas comme si j'en avais vraiment besoin de me rentrer, mais... Juste comme ça, quoi. Bon. Bon, par contre, comment on va là? Ça me gêne, ça. Comment on va là? Est-ce qu'il y a des... Mitsuko. Peut-être un ordinateur. Un ordinateur pour ouvrir, peut-être. Non. Bon, c'est pas très très grave. On va voir s'il n'y a pas... Oh. Ah. On va voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux utiliser. Toi, t'es trop gros. Ah, ça, ça a l'air cool. Ça. Ah, yes, on va être ça. Je vais être ça. Ah, Morgane, je sais que t'as la... Je sais que t'as la force de Superman, mais balance pas les trucs comme ça. Sinon, moi, je peux rien faire. Ça m'aide pas, quoi. T'es wrong turn. Ah, voilà. Ah, très bien, très bien, Marie. Très, très bien. Alors, si on se met là, et je fais ça. Taille incompatible. Merde. Et là, ah, mais là, je peux pas. Ou alors, je fais... Putain, ça va... Ça va être compliqué ce que je fais. Alors, on fait un escalier. Et après on se transforme. Non, ça marche pas. Comme ça. Là c'est bon. Yes, non. C'est triste. Attends. Hop. Yes. Yeah. Et voilà. J'avais utilisé les cartons empilés, hop. Alors, je sais qu'il y a des grenades derrière, mais il n'y a pas autre chose. Voici une métaphore. Typiquement, l'objectif de la théorie est le contrôle de... et d'enregistrer les résultats d'un système, de comparer avec les résultats voulus. La différence entre les résultats réels et les résultats voulus. Rien d'intéressant. You. C'est déverrouillé quoi? Commande de la porte accès aux recherches sciences cognitives. Ok, cool. Succès déverrouillé, fouine. Très bien, Alex m'a probablement son veto. Nous attendons que les idées se développent. Il reste quand même deux questions de taille à régler. L'environnement se déroule le test. Chez qui se procurer les neurones à utiliser? Hors de question de servir des volontaires. Dure la vie d'un mimique. On pouvait l'ouvrir avec l'arbalète aussi. Ah merde, à chaque fois, j'ai jamais fait encore ça. Faudrait que je le fasse. Enfin, il y a tellement d'options, à chaque fois j'oublie, mais faudra le tester. Ah du coup, on a ouvert quoi? On a ouvert un endroit que j'avais déjà ouvert. Ah non. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ces filaments dorés ont quelque chose de quasi divin. On dirait être de la lumière figée. Les typhoons la tissent comme par magie. Mais pour quelle raison? On a de nombreuses théories, mais aucune réponse concrète, pour l'instant. J'aimerais que tu sois là avec moi. Pas qui tu es maintenant, mais qui tu étais avant. Je sais qu'on pourrait régler ça tous les deux. Comme au bon vieux temps.
Eh ouais. A plus, Gull. Amuse-toi bien sur ton crew 2. Ah yes, il est là. Diagnostic en cours. Je vois des blessures épidermiques et cutanées. Origine thermique. Injection de 10 ml d'hydraminol. Voilà. Merci. Tout va bien. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Non. Alors. Bon, revenons à nos moutons, parce que nous, on était en train de morgue, là-bas. Là, on avait une mission, et je me suis un peu écarté de la mission. La morgue, là-bas. Opérateur, à l'approche. Ah, il y en a un autre. La merde, c'est un éthéré. Faut descendre. Par contre, viens, t'es où? Ah, t'es là. Inspection en cours. Votre combinaison est endommagée. J'aime pas trop rester dans des endroits comme ça, par contre. Faudrait pas que tu reviennes. Scan. Scan en cours. Ah. Bien. Qui c'est qui remet des sacs comme ça? Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. On n'est pas allé là. On n'est pas allé dans la morgue, je crois. Aucune carte morgue. Oh, okay. On va refaire la même, hein. On va refaire exactement la même. Hein. Ah, Mitsuko, t'es là. On va reprendre des pouvoirs. J'ai l'impression qu'il y a une glace. Non. Par contre, apparemment, on peut pas être le savon. C'est peut-être pour éviter la blague de la savonnette. C'est bizarre. Personne. Ça, c'est à moi. Après, il y a la carte d'accès là. On aurait pu la récupérer télépathiquement, je pense. Genre avec le pouvoir qui attire les objets là. On peut prendre les objets. Comment tu sors les mecs? Ah
Bon bah... No fuller drink in this area, ok. Qu'est-ce qu'on... Non. Non, bah je crois qu'on a tout. Qu'est-ce qu'on devait faire là? Utiliser la carte d'accès de Bellamy pour entrer à l'intérieur de sa cabine. Ah oui, dans le quartier de l'équipage. Oh mon dieu, faut repartir. Oh. Bon bah on repart. Déplacement. Bonjour, content de vous voir. Bonjour. Mimique objet de baisser pour qu'un typhon passe derrière. C'est ça. Ah il va avoir beaucoup de tentacules. Hein. Ah merde, poltergeist. Oh. J'ai pas le temps. Bonjour, docteur Yu. J'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de jouer avec les fantômes. Il attaque dans les douches. Bah ouais, celui-là, c'est pour ça. Celui-là, il est un peu spécial, on va dire. Je préfère l'éviter. Je préfère l'éviter totalement. Votre attention, la direction de la station a lancé une alerte. Oui. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Cabine de Bella machin. Quartier de l'équipage. C'est où le quartier de l'équipage? Support de vie? Quartier de l'équipage. Non, c'est en haut. Ok. C'est en haut. A grandi, il joue à des jeux d'adultes maintenant. C'est glauque. C'est glauque. Salut Unreal Snake, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bah Casper déjà à la base. Hein. Genre je me rappelle du film, il l'a regardé dormir. Et tout ça. C'était un peu bizarre quand même, non? Quand on y pense. Système cabine. Elle est où là? Ok, on pop, on est là. Oh, il y a beaucoup de chemins. Beaucoup d'endroits. Maintenant, je crois que j'ai bien compris comment elle est divisée la station, donc ça va.
Je me perds moins. Je me perds beaucoup moins. Toc toc. Tout va bien. Alors, optimiseur télépathie. Dossier, transfert le dossier. Scan terminé. Nouvelle aptitude psy disponible. Nouvelle aptitude ? On les a toutes. Ah ouais, non, mais je crois que, en fait, non, ça nous en donne pas des nouvelles. Non, ça donne pas des nouvelles. Régénère le corps psy en touchant le corail. Ah, c'est... Ouais, c'est pas mal, ça. Ça pourrait aider. Réduit le coût de points de psy, pouvoir télépathique. Ça pourrait être pas mal. On a 7 neuromodes. Je sais pas ce qu'on va en faire. Sur les derniers tests, Morgan a recouru à des solutions différentes pour le même problème, bien que nous contrôlions toutes les variantes possibles. Salle A, par exemple, pendant le test 9, il a exercé un contrôle précis pour déplacer une caisse à la fois pendant le test 10. Il a tout soulevé simultanément de quelques centimètres en conformité avec les paramètres du test. Puis pendant le 14, il a carbonisé... Quoi ? Waouh ! Il les a carbonisés. Sans la vide de sécurité, c'était la mort assurée. C'est pour provoquer des variations de direction. Waouh ! Morgan était un vrai super mutant, en fait. Sympa. Je me perds encore pour trouver mon bureau, ça c'est vrai. Ouais. Moi, je pense encore que c'est l'histoire du... On est devenu tellement puissant que Alex a été jaloux. Donc, il a... Il nous a... Il a récupéré les mods. Il a voulu récupérer nos pouvoirs. Donc, il nous a tout retiré. C'est pour ça qu'on a perdu la mémoire. Quelque chose comme ça. Que voyez-vous dans le miroir ? Ah merde. Je dois perdre la tête. Ah, on me la fait plus maintenant. On me la fait plus, Poltergeist. Je regarde si j'ai ouvert toutes les salles ici, en fait. Parce que je crois qu'il m'en manque. Ah ah. Elazar. On pourrait chercher Elazar. Ah, pas les douches. Enfin, pas la salle de bain. Pas les toilettes. Voilà, on est bon. Ok, on se casse. Ah tiens. Et Lazare. Je me rappelle. Machin et Lazare.
juste au cas où, mais bon, c'est pas vraiment grave si on trouve pas. Croft. Ah. Lazarev, c'est pas Lazarev, c'est Elazar, on est d'accord. Sarah et Lazare, ouais, c'est bizarre, on a pas, ouais, c'est pas grave. Alors, suivant. Alors, Arboretum, extérieur de Talos, ça, je trouve pas grande, ça saoule. Trouver les 6 points de déchargement de Talos 1, récupérer la contrebande, dissimuler, bon ça, ouais. Et après ça c'est des trucs à récupérer. Ça, je voudrais bien faire ça. Accéder à la salle de contrôle de filtration d'air. Ah ouais, on va faire ça. Ingénieur manquant et ça ne fera pas de mal. Dans la dernière vidéo que tu as vue, il disait que c'est toi qui as choisi de te retirer la mémoire et le pouvoir. Quand je me parlais à moi-même, ça ? Alors peut-être qu'il avait peur qu'il se fasse contrôler par les typhoons en fait, parce qu'il avait tellement de typhoons en lui qu'il avait peur de ça. Et il se les retirait. Trouvez votre évaluation psychologique. Support de vie. Je me rappelle plus. C'est Antoine. Welcome. Je peux pas répondre, c'est pas vrai. Ok, ça marche. Bouillon Wing. Bouillon Wing. Alors, on va aller au support de vie. Ah et merde. Tout va bien. Tout va bien. On est passé. On le défoncera lui, mais quand on reviendra. Quand on devra rester dans la zone en fait. Pas envie de perdre mon temps. C'est vrai que quand on joue comme ça, qu'on doit aller dans des zones, en fait, il y a énormément de chargement au final. Mais bon, c'est rapide, mais c'est... C'est marrant, au début, on restait dans des zones pendant genre 2 heures, 2-3 heures, à faire tout le tour.
à combattre. Maintenant, on passe les zones très rapidement. Ok. Donc, support de vie. Et on doit faire... accéder à la salle de contrôle de filtration de l'air, si ça marche. On va lui faire la blague. On va lui faire la blague de la cartouche. La cartouche fantôme. Ça lui a bien fait mal. Salle contrôle filtration, c'est à droite. Là ? Ah ah. Aussi. C'est vrai que là on était parti, j'avais pas tout fait en fait, j'avais pas tout visité je crois. Quand on veut connaître les mécanismes d'un objet, il faut le démontrer. Boing. Ouais, j'avais pas réparé la ventilation. Tellement classe. Tellement classe. Je pue la classe, quoi. Ah, yes, je suis passé. Alors, ça, c'est pour aller dans la ventilation. Max. Ah, il y a Max pas loin. Enfin, je crois, on va voir. Max ? Non, Max, t'es loin, en fait. J'ai rien dit. On va faire le tour là-bas. Oh merde, c'est mini ça. Inspection en cours. Votre combinaison. Je vais refermer la fenêtre. Réparation terminée. Ok, on est bon. Je crois. On peut procéder à la mission. Alors, ça, le contrôle filtration de l'air. On y va. Alors déjà, on va peut-être colmater des brèches parce que c'est chiant ce feu partout. Faire soi-même en fait ici. Alors, salle de contrôle, c'est quoi ?
C'est bon ça. Non, on aurait pu passer par là, je pense. Ouais. Jean Fort. Alors, commencer la décontamination. Dysfonctionnement du ventilateur 3. Débloquer tous les ventilateurs avant de procéder à la décontamination. Ok, ça marche. Le ventilateur 3 a un problème. Je tenais aussi à remercier personnellement. Ouais, je crois qu'il y avait un truc. Son travail pour les portes de la chambre décontaminée. On n'a pas eu besoin de recycler l'air de cette section une seule fois en 4 mois. Bon boulot. Ok, ça marche. Donc, numéro 3. J'ai juste atteint la salle, quoi. Hein. J'ai rien fait encore. Mission accomplie, oui. J'ai rien fait, quoi. Pas les trucs derrière. Non. Il y a une étagère. Où ça, il y a une étagère? Ça? Ah, casier. J'ai pas vu le casier. Et la mission est finie? Ah ouais. C'est bizarre. Bon, on va faire le ventilateur, mais c'est bizarre, la mission elle est finie. Alors, il fallait que je crois... Bah déjà, il fallait aller de l'autre côté. J'ai un radar à loot. C'est vrai. Y'a quoi là? Alors, vérifie les ventilateurs. Normalement, le 3 ne marche pas. Blocage, ça c'est celui-là donc. Alors, intérêt des commandes de ventilation. Ah, c'est bon. Marche. Ouais, tout marche. Merde. Je suis pas dans le bon bureau. Ah. Ça vient de décontamination.